YouTube, Valheim, on est avec la team du mardi. Bonjour YouTube. Et regarde, on a à peine commencé. Sachez qu'on n'a même pas fait le premier boss. Hein. On a juste testé le serveur, et vous savez ce qui se passe dans Valheim ? On se connecte au serveur, on fait un ou deux petits trucs, et puis ça part en sucette, quoi. Ça, c'est Monsieur Man. À la base, j'avais prévu quelque chose de plus petit, mais il avait peur qu'on ait pas assez de place. Donc voilà, on est de retour sur Valheim, moi ça me fait trop plaisir, je vais aller rejoindre les autres sur le Discord. Ouais. Ça va être incroyable. Bien, Carl. Putain, merci. Ça va être complètement incroyable. À tout de suite. À tout de suite. Et bonsoir. Hello. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous revoilà. Ça va bien? Ça va. On expliquait aux gens qu'une minuscule bâtisse a été faite. En fait, on a fait, globalement, pour ceux qui connaissent le jeu, on a fait le premier biome, en fait. Mais on n'a pas fait le premier boss. Et donc, on est en compagnie de Monsieur Spwick, de Arthur, de Fridian, de Malphys, évidemment, et de Monsieur Man, qui guette l'argent. Et donc, alors, il y a des priorités. Ouais, on a pour objectif déjà de refaire le jeu. On l'avait déjà fait une fois, mais là on va le refaire, surtout qu'il y a un biome qui a été ajouté. Et on fera sûrement une alternance dans les sessions, une session plus en mode découverte des biomes, et puis visite, et puis voilà. On essaiera de, je pense, pas mal farmer en off, et on organisera probablement des sessions orientées build. Session entière, où on essaiera de réfléchir à des constructions, alors peut-être pas dans tous les biomes, mais... On avait plus ou moins évoqué le fait de construire dans chaque biome un truc, pas forcément gigantesque, hein, mais un truc sympa, quoi. Princesse ! Oupsie ! Ah, on a déjà les premières personnes qui prennent feu. Alors, princesse qui va mettre feu encore à la maison, c'est ça ? C'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, les gens, vous avez vu, il ne faut pas passer dans le feu. Salut, Chris. Merci, madame. Merci pour, merci pour ce cours, ce tuto. Pour ceux qui connaissent le jeu, voilà, on a fait le premier biome, on a tué quelques cochons, alors vraiment, on est resté très raisonnable, sauf que les coffres ont été déplacés, donc je ne sais pas où sont les ressources. C'est étiqueté. Ah, c'est étiqueté maintenant. Il y a des étiquettes dessus, c'est magnifique. Ouais, on a vraiment tué le strict minimum. On a simplifié pour toi, c'est dans Futur Miam. Ah, dans Futur Miam ? Oh, parfait. Graine, oh, ok, le trophée. Parfait. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller savater un peu dehors et aller se diriger peut-être déjà d'entrée dans le premier boss. Alors, ce qu'on proposait tout à l'heure, ça me semble pas mal. Vu que Arthur découvre le jeu, c'est le laisser le gérer. Oui. Ça fait, moi, je trouve que ça fait une bonne initiation, en fait. J'aime bien. Oh, on a des coffres à bordel près des lits. Impeccable. Choisis un lit et... J'ai pris le premier qui venait. Pensez à la nourriture. Ah oui, c'est vrai. Alors, normalement, j'ai 50 milliards de... j'ai 50 milliards de trucs. Ah, pour info, je vous ping sur la carte l'emplacement du boss. Alors. Ok. Arthur, pas très loin. Par contre, te rate pas parce qu'on ne peut l'invoquer qu'une fois. Donc là, sans vouloir te mettre la pression, tout repose sur toi, bien évidemment. Alors vous voyez, hein, sur la map, hein, on a, avec Monsieur Man, cartographié un peu la zone où on habite. Vous voyez, on a commencé à se balader un peu dans la forêt noire pour repérer les donjons, les trucs comme ça. Et puis voilà. Tiens, Jack, si tu veux voir l'enclos. Ah oui, et on a Monsieur Man a récupéré des cochons, une étoile. Au début, on avait des cochons pas d'étoiles, mais bon. C'est trop petit pour lui. Magnifique. Ragout. Rôti. Vita. Côte-bête. Tu sais combien on peut en mettre, Maxi, dans un enclos ? Une règle, c'est, ils veulent un certain nombre d'autres sangliers autour d'eux. Mais c'est dans un certain rayon, donc... D'accord. C'est bien, on va partir, princesse, et à mi-vie. Salut, Dolcarion. Je sais pas, moi il a l'air de dire que tu es à mi-vie. Donc... Ouais, mais c'est parce que je viens de manger. Je viens de manger, ouais. Ah, d'accord. Regardez ces aventuriers partir, combattre un déchu. Alors tu connais l'histoire, Arthur ?
Non, pas du tout. Faut tuer les méchants. On va faire le boss, là, maintenant, à froid, comme ça. Ouais, bah attendez-moi. Saucisson, il est où? Il était dans l'enclos, on l'a pas vu. Salut, papa qui fait du gaming. Est-ce que tu as pris ce qu'il faut pour l'invocation? Al, il fallait que je prenne quelque chose pour une invocation. Bah oui. Mais il écoute cadeau. Cadeau, je te l'ai jeté ici. Ah, ses apprentis. Monsieur Man a tout prévu. C'est une tête de cerf? J'en avais une. Non, bah c'est oui. Bientôt, il y en a deux. Il en faut pas trois. Je pourrais aujourd'hui donner quatre. À la pointe. Ouais, comme ça, on est large. Comme vous le voyez, hein, le professionnalisme est toujours là. Il y en a peu plus, je le mets quand même. Tout est scripté, voyons, vous le savez. Alors n'hésitez pas à massacrer toute chose vivante qui vous passe devant les yeux. Ou même non vivante. Hein. C'est bon, j'ai des flèches. Tout ce qu'il en reste. Attends, je vérifie s'il y a des étoiles. Oh putain, il y a des baies. Bon, et donc, attends, c'est cette espèce de table chelou sur laquelle je dois invoquer. La sainte pomme. Soit la table, soit le truc. Tu peux lire la pierre rouge qui va te dire ce qu'il faut faire. Jean-Michel Corbeau. Oui, effectivement, j'allais lui parler. Alors. Chasser les siens. Oui, mais encore. Bah, en fait, c'est ce qu'il te dit qu'il faut récupérer les trophées. Voilà. On dirait un groupe de hobbits qui sortent de la comté. Vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez parce que moi j'ai la spiritique sur la plage. Bonsoir. On le fera plusieurs fois le boss pour qu'on ait tous des pioches. Assez de tête. Bonne question. 4 fois en pire, c'est pas très compliqué à aller chercher. Alors. Okay. Ouais, il y a un petit son et lumière. Tout va bien. Ouais, c'est ça, ouais. Nous allons tous mourir, mais tout va bien. Ouais. Pourquoi ça tremble partout? J'ai pas que de l'eau, punaise. Allez, Arthur, au boulot. Oula. Mais pourquoi moi? J'ai rien fait. Allez Arthur, au travail. Bah j'y travaille, figure-toi. Bon, regardez ces nobles héros. Oh la vache. Il est beau, hein. Ah, il est magnifique celui-là, hein. C'est un de mes préférés visuellement. Hein. Puis ses attaques. Bon, par contre, le serveur, quand on est plusieurs... Voilà. C'est pas moi, hein, on est d'accord. Deuxième ouais. Met... C'est du tour par tour. Ah oui, c'est ça. Oh bah c'est du... Là on est dans la tradition JDR, hein. C'est au tour par tour. Ouais c'est ça, allez. On lui assaisonne le fion, ce... Y'a pas le Friendly Fire, on est d'accord, au cas où je mettrais une flèche dans le derrière de quelqu'un. Non. Sauf si tu l'actives. Yes. GG Arthur. GG. Léger. Quand tu voilà. Vois le bordel que font 4 hobbits, alors 8. Ah oui. Mais... Loyal. Vas-y, récupère. Prendre le trophée. Waouh. Tu peux essayer de le réinvoquer si tu veux. Ouais. Ouais, ok. S'il en faut 2, on peut le refaire. Ouais. C'est parti. On va venir les farmer. Ils donnent combien? T'as regardé combien ils donnent de bois, de serre, Arthur? Alors, je vais te dire ça tout de suite. J'ouvre mon inventaire. Ils me donnent 3 bois, 3 bois durs. Ah, il va falloir qu'on le fasse 3 fois. Trophée d'Ectir. Je vais rechercher des têtes. Ouais, il va nous en falloir un troisième. J'y vais. Tout cramer et repartir sur des basses scènes, c'est le plan. Donc j'attends que Fridiane revienne. Ça dépend, il te reste combien de têtes? Il m'en reste 3. Bah donc tu peux y aller. Hein. Vas-y, tu peux en lancer un, Fridiane arrive. Ouais, c'est ça. Moi je m'en fous. Allez-y, je peux. Non, par contre... Ah, il apparaît sous le nuage... Ramasser des baies, donc je sais pas si ça va bien se passer. Ah, il apparaît sur le rocher. Et bienvenue à toi, Richard. Oh là. C'est dommage qu'ils aient pas équilibré la difficulté en fonction du nombre de joueurs. Oui et non. Oui et non. Ah, c'est la boulette ça. Aïe. À la boulette. À la boulette. Aïe, tu vas embêter quelqu'un d'autre. Bon, j'en ai marre de courir après là. Ah voilà, ça y est. Merci Determinados, merci beaucoup. Merci pour ton 40e mois. Ouh de la vache. Meutre. GG. GG.
Oh, ça va, c'est facile. Alors, et ce que je propose, c'est qu'il fasse le dernier tout seul. Ah, mais allez, là, j'allais le proposer aussi. Vas-y. Computer, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Non, non, mais on laisse, hein. Moi, je vais regarder de loin. Je vais le regarder de loin se faire éclater, et puis. Tu fais quoi, là, Arthur? Bah, je peux plus l'invoquer, j'ai plus de tête de cerf d'un coup, je sais pas pourquoi. Oh, viens là. Allez, vas-y. Allez au travail, Arthur, personne te regarde. Non, mais je n'ai plus qu'une seule tête de cerf et je crois qu'il en faut deux pour l'invoquer. Oh. J'ai pas. Et alors, j'ai pas ce que me dit le... J'ai pas non plus. Ok. C'est bon ? Bah, il faut qu'on trouve un cerf, du coup. Ils sont donnés à chaque fois. Ouais, on va en trouver à la base, elle est juste à côté. Si tu vas à la base, c'est Jack qui parle. Je sais plus où c'est. C'est près du... On est parti en mode battu, là. Merde. Oui, je suis parti en mode YOLO submarine. Ah oui, c'est par là. Je le savais. C'est plus un boss, c'est un sac de frappe. Ah bah le premier... J'ai trouvé un... Ah, je te rappelle, bonne masse, on l'avait fait deux fois dessus parce qu'il était trop facile. Hein. On dirait une ruine. C'est vrai que... Bah bonne masse, quand t'es bien équipé et que t'as la technique... Il y a une technique ? J'ai un cerf face à moi. Bah tue-le parce que c'est pas sûr qu'il lâche un trophée. Hein. Ok. YOLO. Et l'avantage, c'est qu'on aura, des têtes pour la déco. Ah bah, c'est bon. J'ai eu un trophée. Bon, fais demi-tour, alors. Non, mais on XP le perso en courant, en faisant ça. Oh, si tu... avec les explorations qu'on a fait avec Monsieur Man, on a déjà quelques points de course. Ah. Attends, bouge pas, je vérifie. Non, c'est bon, c'est dans le script, hein. Bon, est-ce que ce cerf peut arrêter de courir dans tous les sens? C'est aussi dans le script. Allez, c'est bon Arthur, tu peux venir te faire défoncer. Je nous ai fait une estrade pour ça. Je veux un cerf. Hmm, oh, merci monsieur. Ah, l'estrade c'est bien. Ah bah de là où on va mieux voir, ouais. Moi j'arrive même pas à les ramasser. On va te coacher Arthur, hein, t'inquiète pas. On va pas te laisser tout seul galérer. C'est hein. Toi qui me coach, j'ai peur. Mais si. Allez, c'est bon, j'ai eu mon deuxième trophée. Vous comptez construire un petit village viking à l'embouchure d'un fleuve? Alors, je pense pas que l'adjectif petit soit de circonstance, mais... Oui, modeste. Je vous rappelle qu'il y a Krampman sur voilà. Le serveur. Selon les critères de Monsieur Man, on a une construction modeste. Modeste. Je les vois. D'accord, ouais, donc c'est vraiment des bons là. Pourquoi il refuse de ramasser de la bête? Non, Arthur, tu veux faire une camelote là? Te défile pas là, viens! Sortez-vous bon, les doigts du... Bah, j'ai pas si de bois si je veux rajouter des conneries, mais... Je vais tomber! Oui! Pouf! Non mais sérieusement, vous avez vraiment blessé me battre tout seul! Allez au boulot, ouais, Arthur là! On l'a tous fait comme ça au début, donc. Bien vas-y. Sûr que non, on va t'observer, ouais! La vengeance de princesse qui était gratuite. Ma fille, il a rien demandé en plus. Le cul sur la pierre. Est-ce qu'il y a moyen que je répare ma hache avant le combat du coup, quand même? Techniquement, il y a un établi ici, si c'est du bon niveau, oui. Mais tu te bats à la hache? C'est une bonne arme, la hache? C'est une bonne situation, rien. Ça? Non, il est pas considéré comme abrité. Non, Arthur, t'es pas au bon endroit là, c'est pas là le boss. Oui, ici, mais... ici, c'est le public. C'est toi, là, c'est toi. Allez, va guerrier. Aïe. Je vais tellement le regretter. C'est... Mais... Selon les critères tranquille. De Monsieur Man, les Vikings ne construisaient pas des mégalopoles. Bah, c'est pas ce qu'on va faire. On va faire un modeste... modeste habitat. Alors, si on devait construire ce qu'ils construisaient réellement, on en aurait pour un moment. Hein. Évidemment. Ouais. Monsieur Man a fait des recherches approfondies. La lumière du ciel ne change pas, Arthur. Oui, bah 2 secondes, je me prépare mentalement. Alors, je te coach. Tu me fais juste attendre, quoi. Quand il attaque, évite ses coups. Et quand tu peux, tape-le. Tu répètes ça jusqu'à ce qu'il soit mort.
Je crois qu'ils ont pas bien compris le signal. On est bien, hein. On pourrait même faire un tuto, je pense. Observez bien, là. N'hésitez pas à sortir vos petites ardoises et à écrire au Véléda dessus une note. Je vais tous vous buter. Voilà, c'est dit. Mais pourquoi ? Allez, Arthur. Ça fait trois fois. Yes, quasiment évité, c'était très bien. Voilà. Je suis tranquille dans mon coin. Mais toi, toujours. Alors, t'as vu, il y a deux attaques. Il y a la bouboule comme ça et il y a l'éclair devant, donc il les alterne. Très beau bloc. Ah oui, et évidemment, il y a le coup de bois. Et le coup de bois, ça, c'est classique. Hein. Là, il se tourne vers le. Non, Fridiane, tu l'aides pas. Mais j'ai pété ma. Ma hache. Ah bah, tape-le avec autre chose. Ouais, t'as des points. À main nue, comme tout le monde. Ça va te faire eh, pas mal. L'esquive était presque. T'as pas un arc? J'ai un arc, mais j'ai plus de flèches. Quelqu'un peut aller lui apporter une arme? Il va tomber. Bah, ah. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel scandale! Le test des cheveux, il faudra le refaire. Hein. Salut, Razelkern. Mais vous l'abîmez là? Attendez qu'Arthur revienne. On a cassé le serveur. Ah merde. Non, mais non, il va nous taper dessus en fait si on le laisse donc. Ah oui, il va nous taper dessus carrément. Et il risque d'abîmer nos propriétés. J'arrive. Point de vue. Oh le petit bâtard. Bon, il faudra qu'on se méfie quand même au petit lag parce que j'ai l'impression que le jeu est. Voilà, là. C'est là. Chaud là. Ah, j'ai vu quelqu'un voler. Non, pas moi. Pourquoi moi? Alors, ça, c'était goldé. Vous avez dit de pas rester là. Oh, la pauvre bête. C'est dommage qu'il lâche pas de viande. Bon, on va arrêter de... on va arrêter de gangbang ce boss. Et on va aller... On va aller poser le trophée parce qu'on a tous hâte d'avoir la course infinie. Hein. J'ai retrouvé Arthur et un sanglier. Ah bah super. On va laisser Arthur aller chercher son stuff. Oh il est rapide. Il est rapide comme l'éclair. Pour rien celui-là. Magnifique. Tout le monde a eu le trophée ou pas? Non. Alors attendez, j'en lâche un. Pour ceux qui ne l'ont pas eu. N'hésitez pas à renifler le trophée. Aussi, bon pour moi. Je confirme, c'est bien un trophée de boss. Et je vous file aussi des bois. Si vous voulez, j'en ai lâché un ici. Merci. Suivant. Au-dessus. C'est bon pour moi. Salut Azeris. Du coup, si tout le monde a bien son bois, vous pourrez aller vous crafter la pioche. Alors attendez, j'en ai deux de bois. Comment je me sépare du deuxième trophée que j'ai? Tu le jettes en dehors de la fenêtre de l'inventaire. Qui n'a pas de bois? Ah merde. Moi. Moi j'en ai un. Tiens. Si. Princesse? Yes. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste un bois? Normalement ça devrait. Deux même. Ouais, toi non plus? Bah, j'en ai ça. Ah mais certes, tu es pas avec tous les bois. Allez, on rentre à la maison. Alors on va le balancer. C'est bon. Non, c'est les bois qu'il nous faut, c'est pas le trophée. Hein. Oh l'argent! Et on va. Et on va pouvoir arriver dans la forêt noire, je pense que ça va moins rigoler. Non. Mais! Bon, par contre, sans rire, comment on répare nos armes? Et bah là, on va te montrer. À l'établi, d'accord. Quelqu'un poursuivi par un sanglier. Ah, comme moi. Aïe! C'était moi. Ils aggro vachement plus loin pas. Qu'avant ou. Je le vois pas non plus. Il est là, je le vois, je suis rendu. Allez, reviens. Oh, splendide. Ah, il est apparu. Ah, il est disparu. Je pense qu'on va avoir un problème pour cette saison. Mais non, c'est un peu réglé. Qui a un trophée du boss? Merci pour tes conseils, voilà. Hugues. Arthur, t'en as un? Oui. Mais viens au niveau des grandes pierres devant la maison. Bah oui, j'arrive, je cours. Alors donc le nouveau c'est celui-là. C'est quoi, ouais, c'est un flamant rose? Une montre religieuse.
La loutre montre religieuse. Il y a une pierre en forme de cerf. Oh, ça va être bien ça. Non, c'est en forme de cerf. Oui, oui, mais je... Comment... Vraiment, vous l'avez mis au pire endroit, la table. Ah, toi aussi, encore pris feu. Tu peux penser avec la caméra. Oui. Viser les pieds. Voilà. Ouais. Alors, celle avec un cerf dessus, c'est ça? Voilà. Ces bois sont des branches de fer. Ils fendent la montagne et fissurent les rochers. Ses sabots résonnent comme le tonnerre. Sa voix est une tornade déchaînée. Oh. Ça, sur le crochet, je vais pouvoir y mettre le trophée. Ouais. On peut bien reconnaître que la tornade déchaînée a pris cher quand même. Chacun veut sa dose, hein. Alors, c'est bon, on a obtenu tout ce prodin. Alors. Voilà. Magnifique. GG. Redrive. Ce qui est rigolo, c'est que le buff est pour tout le monde. Et vu la quantité qu'on a, on peut l'avoir en permanence. C'est bien possible. Bah, c'est très bien. On va absolument pas faire de l'exploit bug. C'est parfait. C'est une feature. Oh, le... Alors. Où est donc cette table de craft? Ah, alors elle est un peu cachée. Mais c'est bon, je l'ai trouvé. comment que je vais faire ? Sous le bouclier d'Arthur. Tu nous, hein, faut que tu arrives à nous donner des bois durs, hein, Arthur. Non, la fenêtre de droite, tu viens de crafter, Arthur. Oui, oui, je sais, j'ai crafté une torche pour réparer la mienne qui était pétée. Bah, t'as pas besoin, c'est ça le truc en fait. C'est que si tu regardes là sur ton interface, à droite, t'as un marteau qui clignote à côté de la liste des crafts. Alors, à droite. Alors, faut que tu te remettes dans ton établi. Voilà. Dans la section de droite, à gauche. Je veux pas critiquer la disposition de l'établi, hein, mais... Merci beaucoup. Là, votre cliquez plein de fois dessus, clique plein de fois sur le marteau. Et si tu pousses les gens après, parce que... Ah. Si vous avez besoin juste de réparer, vous pouvez le faire aussi sur l'autre, je crois. Parti. Bon, donc, je me suis fait molester par le boss. C'est quoi la suite du programme? On va te molester toi maintenant, si... Alors, on va arriver dans la partie fun. Est-ce qu'on n'irait pas avant? On peut peut-être le laisser se faire molester par un autre boss. Oui. Oui. Il fait nuit, ouais, on dort. Rengagez-vous. Je ferais bien... Lance en silex, c'est bien. Je me souviens plus... Ouais, je crois que c'est ce que j'utilisais au début, moi. D'accord, donc on m'a piqué mon lit, bah je vais mettre... Mais non, t'en as un. Mais t'as un lit ici. Ah oui, c'est parce que d'accord, c'est le parallélisme. C'est donc là, c'est là. Oh, j'ai la tête dans le toit. C'est une première cabane, elle est un peu petite. J'ai la tête dans la paille. Donc rassurez-vous, pour le prochain live, nous aurons certainement quelque chose de plus... De plus à notre hauteur, tu veux dire? C'est trop manesque. Bah sauf si quelqu'un veut s'en occuper, y'a pas de problème. Salut peinteur sur figurine. Personne ferait ça aussi bien que toi. Ça, je sais pas. Vous les avez cachés où les têtes de boss? Il y a un trophée, mais je sais pas si ça t'est rangé. Ah bah, je vais les mettre. J'ai refait l'Arthur pour avoir mon bois dur. Donc, j'en profite quand même pour remettre mes fringues, on sait jamais. Jour 52. Magnifique. Ah oui. Cette information est confidentielle. Bon, on a fait du repérage. Hein. Alors, oui, oui. Monsieur Mann, on avait repéré des forêts noires. Laquelle tu pressens le mieux pour. Voyons voir. On celle a au sud, globalement celle autour de la montagne, au sud-est. Ouais, celle-là, ouais. Ou au nord, il y a pas mal de trucs. Ouais, au nord aussi. Bah, c'est je peut-être ne sais un peu pas. Plus loin. Ouais, bah de toute façon, on part sur place et on pose un camp sur place de toute façon pour fondre sur place. Par là, il y a du cuir un peu tout autour. Ouais. Et on sera pas non plus trop loin de chez nous. Il nous faut de l'étain, il faudra être au bord de l'eau, donc il n'y aura peut-être pas là, il faudra peut-être descendre un peu. Bon, moi j'ai pas exploré plus loin, donc je ne sais pas. Tu peux venir forger des pioches en bois de fer. Pas de soucis, Papa Geek. Oui, j'arrive.
Bon courage à toi. Idem. Je te vois, tu es là. Voilà, c'est bon, je récupère juste ma viande qui est cuite. Oui, un peu mieux. Alors, donc, il faut que je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Là, tu vas dans l'établi. Ouais. Et tu forges 3 pioches en bois de serre. Coupe 3 parts de ce gâteau. 2. Et 3. Et puis tu nous en distribues une à Spook et moi, s'il te plaît. S'il vous plaît. Et de une. C'est et bon de pour deux. Moi. Oula. Michel ouais, virait tout le monde pour passer. Ah ouais, des trophées, il commence à y en avoir un ou deux. Après, il y a un village au nord. Ça peut servir éventuellement de campement de fortune. Ouais. Quelqu'un a eu une deuxième pioche. C'est pas moi. Demande à Jack qui est passé à ce moment-là. Ouais, non, j'en ai. J'ai donné. J'ai donné deux bois que j'ai mis au sol. Et c'est Fridial, je crois, qui les a récupérés. Regarde, je crois que tu as deux pioches dans ton inventaire. Une, oui. Une dans ta barre en haut et une. Ah dans... oui, ouais. Bah, jetez pas vos objets par terre. Merci beaucoup. Mais c'était la distribution, espèce de sagouin. Allez. Classique. À la pioche. Moi, je partirais bien au nord en vrai. Salut Jean F, ouais c'est un excellent jeu, on l'adore. Groupez-vous, qu'on mette le buff. Groupez-vous. Rendez-vous dehors. C'est qui brûle? Ah c'est Princesse. On s'apprend de la bouffe. Bah, t'as oublié de l'activer? Ah, bah cours, allez. Ah. Bon bah on a mis deux, c'est pas grave. Tu nous pings l'endroit, monsieur Mann ? Pas Fridian, elle va nous rejoindre. D'accord. Alors c'est parti. Monsieur Mann. Parti. Bon, on va suivre le ping de monsieur Mann, du coup. Pensez à tuer, massacrer. On va voir sur Valheim, jeu de fou, ouais. On va découvrir les nouveautés. On y avait joué un petit moment. Des montures, se balader un peu plus vite. On ça viendra. On aura un autre moyen de transport, mais pas tout de suite. Enfin, plusieurs même. Bah, ça va être un de ceux qu'on va utiliser assez vite. Non, franchement, l'autre moyen de transport, je suis pas. Alors, non, pas la bateau, dernière fois s'il vous plaît. Qu'on les a ramenés. Aïe. Non, 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 il y en a qui sont qui évitent de nager par exemple. Oui, bah. Ceux-là, ils sont bien. Oui, c'est mon tueur en bois, oui. Mais non, les vrais montures pour les times, ça avait été un grand moment par contre. C'était bien amusé quand même. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah, c'est pas les times qui m'a semblé le plus complexe. Non, c'était les ramener. Ouais, non, les ramener. C'était déjà ridicule de les protéger pour le time. Il a fallu faire une grande fosse à palissade. Les ramener, c'était tellement ça, drôle. C'est des trucs parce qu'on va certainement en avoir besoin. Alors je me suis attardé de bouiller le gars que tu avais kick dans la descente. T'as essayé de te battre dans une pente. Et j'ai gagné. Est-ce que c'est pas la pente qui a gagné? Non, c'est toujours la pente qui gagne dans Valheim. Hein. Je revendique la victoire. De quoi ça sert de tuer un sanglier si on le loot pas aussi? Ouais mais il se dépece. Et pour le plaisir de tuer. À retardement. Oui. Voilà, la preuve en image de Princesse n'est absolument pas toute douce. Elle parle du plaisir de tuer sans aucun problème. On n'entend pas Jack depuis tout à l'heure, je me demande si c'est pas mute. Non. Il a dû oublier de se démute. Non, non. Parce qu'il est totalement mute, là, il y a son micro qui est très... Ouais, mais je parle pas, donc c'est pas gênant. Mmh. Ok. C'est étonnant. C'est Jack. Oh, il y a un gros poisson dans la flotte, c'est normal. On organisera des concours de pêche. On arrive bientôt.
Ouais, on est plus très loin. Je vous remets le ping. Je rappelle que toute créature vivante doit mourir. Ne doit pas l'être. Est une menace et que dans le doute. Très très bonne très bonne initiative évidemment. Et Zeris me fait remarquer que le respect au patron est décédé parce que je me moque de toi. Mais à quel moment il y avait un respect dans le contrat avec le patron? À quel moment il y a eu un contrat d'ailleurs? Oui voilà déjà, premièrement. Les intérimaires de Conan s'en souviennent. J'étais Astrid. Et là, t'imagines, Monsieur Mann, on tombe sur le sanglier 2 étoiles. Obligé de changer le plan. La tristitude. Ouais, on est arrivé. Ah, il y a un petit village, ouais, ici, je m'en souviens. Ah, je l'ai dit, ça peut servir de... Ah bah ouais, ouais. De base. Puis il y a des... De campement. Ouais, je m'en souviens de cet endroit. Il y a même des trolls. Non. Juste à côté. Non. C'est pas une bonne nouvelle, non? Dans mon chat, peut-être. J'aimerais bien que t'en aies pas directement. Ou dans son équipe aussi. Oui, dans son équipe aussi, ça c'est très possible. Ouais, il y en a un, c'est sûr déjà. Je n'ai pas de flèche narcotique à tirer sur Jack, donc je ne ferai pas trop de troll. Hop, maison surprise. Genre, on peut retaper les maisons? Ah ouais, on peut, ouais. Nous pas trop, Krampman. Krampman va juste réparer, vous pouvez le faire. Monsieur Mann va pas laisser ça comme ça. Alors par contre moi j'avais déjà repéré ici du cuivre pile au nord là. Ouais, j'en ai repéré aussi quelques-uns. Il est juste là, bah là où va Fridian. Je sais pas qui a architecturé cet endroit mais... Ça n'a ni queue ni tête. C'était pas quelqu'un de stratifié. Bah écoute Fridian, ouais, on va pas se faire prier hein. Il y a un niveau 2 sur la droite. Ah yes. C'est quoi niveau 2? Et niveau 1 et niveau 2. Des nains gris. Ah oui. Il est où? Ah, il est là. Oh, un coffre qui a été oublié par monsieur. C'est un coffre, hein. Il est caché dans le puits. Ah ouais? Oui. Oui. En haut du puits. Pensez peut-être à mettre un point de spawn dans le village. Ah ouais, ouais, c'est pas bête ça. Bon, je vais commencer à creuser le temps que le temps de spawn arrive. Oh, le plaisir. Bluff Martini. Qui c'est qui a son... Ah non, ça marche pas pour creuser le bluff. Ah, je vois pas comment on peut être repéré là. Je rappelle que les filons vont sous le sol aussi. Attention, on a gris. Ah, mais on travaille, bordel! Alors, du cuivre. Oh, quel scandale! Il y a une crypte juste là, normalement. Je me fais flécher. Ah, je l'avais pas repéré, moi, là. Sens des cryptes. Bah on va en avoir besoin pour les cœurs en fait. Tu aurais, mais... Désolé, une challenge pour la blague. Oh, ma pioche en cuivre me manque. Est-ce qu'éventuellement on fera pas une équipe secondaire pour aller chercher de l'étain? Ah ouais, c'est pas bête ça. Est-ce que... partir avec Arthur dans une crypte? Arthur, je suis sûr. Je vais aller chercher de l'étain. Je proposais qu'on emmène Arthur dans un petit donjon, qu'on aille chercher des cœurs. Non mais je ne suis pas Bully, hein. Mais on veut te faire découvrir le jeu, c'est pas pareil. Bon, puis pour être tout à fait honnête, on en a besoin pour faire des TP. Ouais, mais non, si on dit ça, c'est qu'il y en a vraiment besoin. Bah, on va fondre, on n'a pas le choix. C'est une crypte pour commencer, il y en a juste ouais. Là. Je vous la pille.
Et alors, vu le nombre qu'on est, ça va être les doigts dans le nez. Ça va être les doigts dans le nez, mais pas forcément de son nez à soi, vu la promiscuité. Ouais, j'aimerais le stratifier. On va aller faire cette crypte. Je suis à l'entrée si vous voulez venir. On finit le dépôt de cuivre ou plus tard? Non, on va le faire plus tard. On va le finir. Attention, si on est suivi par des. On peut rester deux à miner. Si. Oui, oui. T'es où, monsieur Man? Trop dedans, c'est même pas la peine. Attends, parce que tous les trucs sont super stackés, donc je te vois pas. Arthur, à toi l'honneur. Bah, je vous les laisse du coup. D'accord, donc il faut que je rentre là-dedans. Ouais. Ah, c'est là, si d'accord. Si tu vois de la fumée verte, tu cries, sinon tout va bien. Bah, on aurait pu laisser Arthur aller chercher les cœurs et nous les ramener. Du grisou. Ouais, c'est un peu ça l'esprit. Alors, c'est facile, il y a toujours 3 passages. Et c'est procédural, donc ils peuvent faire n'importe quelle taille. Bah tiens, je t'éclaire, Arthur. Ah oh, c'est magnifique ce que tu fais, Arthur. Ouais. Ouais, d'accord, je suis derrière toi. C'est bon signe. Je vous éclaire. Hein. Ah, j'ai... Oh non... Quoi, sérieux? Arthur est mort. Ah mince. Mais comment? Attendez, qu'est-ce qu'il avait dans son inventaire? Il va servir du bouclier. Ah, le bouclier, ça. J'avais plus de nourriture, je pense, non? Si, si. Je vais en avoir. Enfin, je crois. Un spawner. Mais fais la lumière. J'arrive. Enfin, j'y retourne. Ah bah, c'est yes, bon. Les cœurs. Oh, les cœurs. 2 seulement? Oh, l'arnaque, je prends tout le coffre. Hein. Maintenant, c'est le pillage. Ah merde, j'ai mon inventaire est plein. Oh, le scandale. Est... Il y avait un autre passage. Pensez à prendre aussi les champignons au sol. On remarque qu'on n'entend toujours pas Jack. Hein. Ah oui, pardon, oui, je m'étais coupé cette fois. Cette fois, oui. Bon, je disais simplement que bon, Arthur était mort, mais que c'était pas non plus dramatique. On pleurera vite fait pour marquer le coup. Non. Bon. Oh. On fait même pas chier. Spawner. Oui, c'est un peu moins. Mais ouais, c'est une étoile, c'est pour ça. Ah. Ah. Ça, c'est quand même pas de bonne signe. Ah, mais on parle la technique du gang-gang, ça devrait aller. J'ai appris... on les tape vraiment quand on. Quand on est tous. Il y a de l'ambre par terre, attention, monsieur Man. Ouais. Prends le cœur. Il y en a 2 autres derrière. Ah, t'as été chercher ton stuff, Arthur? Je le cherche. Alors viens avec moi, il est par là. Voilà. Attends, je t'éclaire. Pardon. Ça va, tu t'en sors? Oui, oui. Non mais tout le monde dans les donjons s'est fait défoncer la première fois. Hein. Ouais. Bah, il y a 2 blagues, ouais. Il y a le 1 ou 2 étoiles, bon, pas de chance, et la fumée verte. Ouais, la fumée verte. Il y a le fantôme aussi qui est un petit peu relou, de ah, mémoire. Ah oui, je l'ai oublié, lui. Il y en a des ce type de crypto là ouais, je crois, ouais. Oui, oui. Ah, on aurait fait le tour? Ah non, il y a là. Non, on a fait qu'une porte. Bah, elles étaient toutes raccordes, hein. Ah. Non. Ah non, d'accord, ok. Oh, mais celle-là, elle a été ouverte? Ah non. Je fais l'éclairage. Ah. Regarde le petit fond. Le petit fragment. Ah, oui. Ah. Comment on l'a coincé dans un coin? Oh, celui-là. Attends, il est. Ah, merde, il n'y a rien du tout ici. Il est juste à ce qu'il y ait une étoile cachée. Oui, voilà. Attendez. Voilà. Attention aux chutes de bois. Oh, bazar. Donc les cryptes elles peuvent être très grandes, toutes petites, ça dépend. C'est complètement aléatoire en fait. Là par exemple c'était de l'arnacos. Bah il y a un passage là. Non. Non, je peux pas les piocher. Ah ouais, c'est normal. Ah, il n'y avait pas des trucs comme ça qu'on pouvait piocher pour... Si, mais dans les plus longs, plus tard. D'accord. On a eu combien de cœurs du coup? J'en ai 2. J'en ai 3. Ah bah on a de quoi faire le truc à charbon, déjà. Pourquoi ils jettent les trucs? Eh bah Gigi. Gigi. Alors Arthur, ta contre, première crypte. Ça grogne, c'est normal? C'était sympa. Je crois que c'est un son d'ambiance. Hein. Ouais. T'as les ululements de squelettes, quoi qu'il arrive.
suis un peu vexé. Eh ben, on va installer une... Je sais de m'être fait buter par le premier squeletton qui passe, mais... Bah ça va, t'es pas fait buter par ceux qui sont dehors, parce que normalement il y en a dehors, mais quand on a fait la visite, on en a tué quelques-uns. D'accord. T'as fait une salle des coffres, monsieur Mann ? J'ai posé un coffre dans une des cabanes. C'est la carte à Attends, je suis en train d'en faire d'autres. Magnifique. Et il y a le coffre au-dessus du puits. Dehors, Jack. Je regarde déjà ce qu'il y a ici. Hop. Le cuivre. Oh, là, j'ai mis le cuivre dedans. Ouais, faut faire gaffe avec la pioche, c'est pas une bonne arme parce que tu pètes le sol en fait. Je viens de voir. Sauf contre les souches, ouais. Il va nous falloir plus de cœur parce qu'on peut pas faire le truc à charbon aussi. On peut commencer. On en a 5, on peut déjà lancer du charbon. Ouais. Ce qui paraît. Qui les autres cœurs c'est les princesses. Je les dépose où? Les deux coffres qui sont à l'extérieur? C'est pas vrai. Oh. Ça va être compliqué là. Oh la vache. Ah, tiens, monsieur Mann. Merci. Moi, je vois que Fridiane, elle est... Oh, la vache. Ouais, ces gens n'ont pas le respect de la map, là. Quoi? Le quoi? Le respect de la map. Il y a déjà plus de map. Calme-toi, Martin Bouygues. Merde. Petit bâtard. Sale bête. Oh, putain. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une erreur dans la matrice. Quoi, Arthur est encore mort? Un bug entre la chaise et le clavier, non? Exactement. Ouais, je pense plus à ça, moi. Ce genre de choses arrive. Surtout à toi. Oui, bah... je découvre. Je profite. Voilà, je vois des arbres qui tombent là-bas. Moi, j'ai très peur. Je pense que le gisement de cuivre va être rapidement... Il est coriace, hein. Ah ouais, ouais, la vache. Il est énorme, par contre. Ouais. On a de la chance, ou... ils l'ont augmenté, la taille, parce que là, ça... Quand on priorisera ce qu'on craft, peut-être déjà le chariot. Ouais. En effet. Et après... Peut-être hache. Ouais, c'est ce que je pensais pour... On va bien en bas. Vu que le tronc d'arbre a des spawns grâce au lag, ouais. Mais je t'ai vu en gros plan. Ah, qui se fait one shot par un arbre de toute façon. Et oui, si, il y aura le cultivateur à faire en premier. Ouais. Ah oui. Parce qu'on a déjà récupéré pas mal de graines. Essayez de pas jeter des arbres sur vos petits camarades. Attention, princesse, il y a un arbre qui tombe dessus. Je cours, je cours. Il y a un deuxième arbre qui tombe dessus. Fridiane, attention. Vous savez que c'est dans le script, quand même. Mais c'était si tôt. On cherche à nous assassiner, Fridiane. Oh, quelle histoire. C'est moi l'héritage, je sais pas. Aïe. C'est même pas eux qui donnent le bois dur. On en aura besoin pour construire le truc plus... Là, des arbres plus gros. C'est ce que je me disais. Titre, c'est ça? On peut dire ça, ouais. Ok, ok. Très bien. C'est sur un malentendu. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a encore... Attention, il part dans un angle bizarre, ce tronc d'arbre.
Putain, on va se faire tuer par les... On va se faire tuer par les troncs d'arbres. Bienvenue dans Valheim. Bah, j'ai l'impression que c'est un truc assez récurrent. Oh, ça va, Frisian? Oui, j'avais fait, c'est pas moi, j'étais pas là. Salut, salut Craps. On se affrontera un boss et un arbre, j'ai vite choisi. Est-ce qu'on irait pas dormir? Ouais. Ouais. On va libérer plein. Arthur, tu veux venir par ici voir des créatures de la forêt noire? Merci. Le problème, c'est que si on est pas tous à dormir. Je viens libérer Princesse, donc j'arrive. Tu es où? Là où ça grogne? Une étoile. Donc avec le lag, ça risque d'être un peu hardcore. Est-ce que c'est bleu avec une étoile? Ah, je crois que c'est là-bas. Oh, c'est la brute. Visez plutôt. Oh, j'ai pas mis mon lit par contre. Je crois que j'en ai un. Non, mais non, c'est pas vrai, j'avais bloqué. Il y a deux chats. Ah, faire un tronche. Ah oui, ils sont vraiment pas beaux. Ça va arriver en boucle. Hein. Et alors, regarde, ça c'est mort. Oh le petit bâtard, attention, il y en a deux soigneurs. Ouais, il y a un chaman. Je reprends de la stam. Arthur, c'est dans le décès. C'est un nuage de poison. J'ai compris trop tard. Je vais expliquer un peu tard. Fuck. Ouais, non, on va faire un truc pour serveur parce que... Ouais, les combats ça va être très chiant. Putain, ça laguait pas autant la dernière fois. Bah on était pas aussi nombreux. C'est cool. Ah ouais. Malphys, t'étais là la dernière fois. Tu n'as plus de... Non. Pas là, non. T'étais pas là, Arthur était pas là. Ouais. Mais il y avait Nico, non? Il y avait Nico. On est juste un de plus en fait. Bah, je ne sais pas. Du coup, voilà, la forêt noire, ça ressemble à ça. Mmh. Et ça, c'est pas le pire. D'accord. Ouais. D'accord. Tu rencontreras le pire très, très vite. D'ailleurs, on te laissera l'affronter. Je pense que le boss te manquera après. Je n'en doute pas. Ah, je préfère peut-être le boss quand même, en vrai, mais... Bonne nouvelle, c'est la créature dont on parle, ne lance pas d'éclair. C'est pas tout. Il y a un lit pour tout le monde. Il faudrait un feu aussi. Je vais aller couper du bois. Princesse, on va couper du bois pour... J'ai pas de hache. Alors attendez, j'ai peut-être du bois pour tout le monde. Oui. Et je vais plus me faire un marteau avant. Pas marcher dans le feu, voyons. Et c'est pas où tu l'as posé juste au moment où je passais? Alors de mon point de vue, il y a plusieurs secondes de décalage. C'est un jeu de survie, Craps. Valheim. Ah non, bizarre que t'en aies pas entendu parler parce qu'il est, assez connu. Jack. Ah oui. Je te protège. Pardon. Alors là, on fabrique du charbon avec cette première. Voilà, et ensuite on va faire de quoi raffiner. Increvable. Passe un truc là-bas. Ils sont résistants. Si. Qui c'est qui se castagne? Bah, Jack. Alors, ce qu'il faudra qu'on fasse, Arthur, si tu veux, c'est qu'on aille longer la côte. Ouais. Pour trouver l'autre minerai qu'on a à choper ici. D'accord. Que là, on a chopé du cuivre. Mais ça ne nous suffira pas. Bah bon, on n'a pas des masses. C'est combien pour un lit? Je me souviens plus. C'est 10, non? 8. Mais j'ai le bois là, Jack, du coup, si tu veux. Ok. J'en ai 8. J'entends. Ouais. Ils arrivent. Ils arrivent. Oula, oui, il y a vraiment beaucoup de monde là. Attends, on va utiliser une technique qui marche bien. Voilà. On va les allumer. La brute est là. Faites les petits d'abord. Moi je tape les chamans parce qu'ils se soignent. Ils sont chus. Depuis tout à l'heure je cours après le truc, j'arrive pas à le toucher. Oui, je vois ça, et pourtant enfin, pour moi à plusieurs reprises t'as frappé au travers. Hein, donc c'est... Ouais, mais. La D5. Faut anticiper. Hein.
suis en train d'amuser la brute. Cette ouais, merde, ce lag là. C'est juste ignoble. Ouais. Ah ouais, c'est chaud là. Oh, mais ça va qu'un dessus. Ouais, quand il y en a qu'un. Regarde, donc on poussait les lui au départ, c'était ça le plan. Du coup, t'as ton bois, t'en veux ? Bah, j'ai un peu de bois. J'avais pas déposé mon cuivre, là j'ai déposé. Donc il y en a un petit peu plus. Ouais, mais on n'a pas encore assez de cœur pour faire le deuxième. Ouais, bon après, tu verras, on a peut-être assez de charbon. Je vais le laisser se tourner. Hop, le bois est à côté de toi, Jack. Eh bah, ben, c'est ramassé, en automatique. Alors. Ah, il y a Craps chez moi qui avait jamais vu le gameplay de Valheim. Ouais, il est. C'est du classique jeu survie, mais la réelle est assez propre techniquement quand même. Hein. J'ai vu quelqu'un prendre feu. Non, pas moi. Ah, je vais mettre des lits ici. Il y en a déjà quelques-uns. Par contre, il faudra. Si quelqu'un peut venir réparer la. Il y a du charbon qui est sorti du. Je vais vous mettre un. Ouais, tu peux le mettre dans le coffre à côté. Ah merde. Aïe. Si t'arrives. Rencontre du premier type. Et une deuxième vague, visiblement. Ah oui, effectivement. Bon, je mets des lits dans le... au fond. Dans le... la... une espèce de baraque. Histoire qu'on n'ait pas à se taper les allers-retours. Requiert-toi. Requiert-toi. Un chaman à port. Magnifique. Deux chamans. Il y en a deux. C'est sûr que j'avais commencé à allumer tout à l'heure, mais il s'était barré. Bah, il est raid. Au secours! Attends, on arrive. Deux secondes, on met des toits. J'arrive sur vous. Je vous ramène des gens. Les chamans, ils sont très très chiants parce qu'ils empoisonnent et ils soignent. Ah, j'ai mon clic molette qui marche plus, donc je peux plus construire. Ah. C'est pas grave. T'as changé de clavier, c'est quand même con. Ouais, bah faut changer la souris aussi. Voilà. Salut, Ozmi. Tous les revenus du stream de 2023 sont déjà dépensés. Ah, évidemment, tout est parti en coke. Hein. Quoi, ça, c'est un genre de toilette, hein. Je crois qu'au départ, c'est un chiotte et c'est pas un puits. Mais véridique, mon clic molette marche pas, c'est terrible. Hein. Trahi par la technique. Ouais, mais ça risque d'être emmerdant. Il y a pas des, ça sert pas à faire autre chose les. L'attaque secondaire, ouais. Mais... Ouais, on peut bien se passer l'attaque secondaire. Ça dépend à quelle arme. Bon, bah, on était censé aller chercher un truc Zarbi dont tu m'as parlé. On va attendre que le jour se lève. On va plus tarder. J'ai installé quelques lits au fond. Je vais, si quelqu'un veut du bois pour installer l'autre lit, j'ai besoin d'aide. Ouais. Je suis qu'à une étoile. Ah oui. Merde. Mais il se TP dans tous les sens. Mais oui, moi j'ai vu des spawns devant moi. Ouais, il est sur moi là. La bastonnade. Ouais. Attention, Enan. La bagarre. Hein ouais. Donc le but du jeu c'est facile, c'est de taper là où tu penses qu'il va être le temps que le coup arrive. GG. Lag simulator. Ah, dommage. Je crois qu'on a eu la même idée au même moment. Bon, je vais changer ma touche ma touche pour pouvoir construire. S'il y a des gens volontaires, il y a une crypte là-bas, je vous mets le ping. C'est possible. Allez. Ah, si on pouvait avoir une super crypte. Moi, sinon, j'en ai une. Alors, attends, le ping, c'est quoi? C'est... j'y suis dessus là. Ah, l'ironie. Ça fait de la place. Alors, Arthur, tu vas voir, c'est facile. Le but, c'est de trouver une côte. Parce que le long de la côte, on trouve des petits cailloux. Je vais mettre G. D'accord. Hop. Des petits cailloux, genre silex ? Non, de l'étain, tu vas voir. D'accord. Tu peux me repinguer la crypte, s'il te plaît ? Impeccable. Merci bien.
Elle est où la tienne de crypte, Jack? Bah, ça fait rien. Attendez, c'est une blague. Allez, vas-y, Jack, monte ta crypte. Est-ce que c'est vraiment ton clic molette qui déconne? Bah, je ne sais pas, parce que là, j'ai mis G et je fais G et il se passe rien. Ouh, attends. Tiens, tu vois ça là, Arthur? Oui. L'excroissance sur la baraque? Oh la ruche! Salut, Anoki. Allez, ça. Bah, trop chelou, ce clic là qui veut pas. Ah, si t'as vraiment pas de vie, si, c'est dangereux, mais. Mais c'est de la merde! Ouais, bah... Je sais pas pourquoi je me sens pas trop de m'approcher. Mais c'est de la merde. Si, attends. Ouais, j'ai mis G, c'est ça. Putain, est-ce que je le perçois? Tu sais qu'il y a une entrée de l'autre côté. Oui. Et bah, pour merde, péter le mur. Et c'est pas le mur que je veux péter, c'est là. Oui, je sais que ça marche. Mais ça marche pour le coup de pied. Ouais, c'est que le perso ne peut pas taper en l'air. Il te faut un arc. Ah non, le menu, en fait, les raccourcis pour la construction sont pas bindés sur le reste, donc c'est toujours souris 3. Ah, okay. Voilà. C'est bon. Magnifique. C'est bon, tout à fait. C'est une feature, Jack. Pique la souris de Madame Play. Oh bah, j'ai pas débranché. Je pense qu'on devrait avoir ce qui nous intéresse. Je pourrais tenter un truc, c'est de mettre une deuxième souris. Attendez, je vais faire une expérimentation. Alors, évidemment, on est dans la forêt noire, du coup, on va tomber sur. Ah alors. Mais peut-être qu'avec un peu de bol, ça va arriver. Je suis à vous tout de suite. Il y en a deux qui sont une anecdote, Jack, ça marche. Attends, deux souris toi aussi. Fais gaffe à toi. J'ai oublié de débrancher mon ancienne souris, je la vois clignoter devant moi sur le coin du bureau. Ah. Magnifique. Non mais là, on est sur un stream de haute technicité. Sachez qu'on fait des expérimentations et notamment la prise en charge de du multi-souris. Alors là, on passe. Ah ouais, non, rien. Il y a qu'un curseur. On va passer sur une souris obtenue à 10 balles. On va voir si on obtient de meilleurs résultats que la souris à 30. Gros budget stream. Ah voilà, et la souris à 10 balles, malgré tout ce qu'on peut dire, elle est moins ergonomique, mais par contre, au moins, elle fonctionne. Magnifique. Princesse. Magnifique. Ouais. Alors, on a une crypte ici. Regardez ce qu'il y a dans le bâtiment, il y a peut-être un coffre. Ok. Bah, c'est ce que j'aimerais bien vérifier du coup, puisque on vient quand même de se les bouillard, donc ce serait bien Viens à que ce soit rentable. 9 pièces d'or. Ouais. Oh, attention, il y a un trou là. Ouais, c'est tout. Titre. Ouais, ça sert pas à grand chose. Donc t'as trouvé des trucs? Attends, ouais. Déjà là, il y a du cuivre. On va le noter. Ah oui, mais le coffre est vide. Oui, ben bah, maintenant il l'est, oui. Est-ce et que coup, tu veux retenter celui-là a été fait, celui-là a été fait. Donc, je reping. Attends, pète l'escalier, ce sera plus simple. Bah, c'est ce que je casse, là. Ouais, Titiki, que j'ai vu, mais en fait, quand tu bindes le raccourci souris, ça ne s'applique pas sur la construction. Donc, c'est pas très commode, quoi. Ça passe, là yes. Oh, squelette princesse, attention. Alors, je gère. Ça, il doit y en avoir un autre qui traîne dans le coin, non bon. Il y en a qui auraient vidé. Oh, charbon. Bon, c'est du cuir, c'est toi qui vas looter, princesse, parce que, en fait, moi, j'ai plus de place. Oh. Ok. Une yes, go. Ça, non ouais, voilà. il y a des... C'est pas grave. C'est des tons. On va commencer par la droite. Tu veux te la tenter ouais. La crypte. Je recule s'il y a du monde, comme ça on peut les faire, on a de la place surtout. Ok. Ouais, on peut tenter la crypte. On a besoin de ce qu'il y a dedans. Champi. Magnifique, c'est vraiment... Parfait. Ah, c'est un chaman, alors il faut faire gaffe. Après. Attends, par contre, il faut que je règle la sensibilité de la souris, du coup. Ah, ok. Raté. J'utilise la cure pour soigner. Jack. Alors, sensibilité de la souris. Niveau bouffe, t'es comment? Bon, on verra. Bouffe, on va en face. Que je, ah. Voilà, que je reprenne une fraise. Attends, j'ai mon bouclier, là. Ouais, c'est bon. Tu recules s'il y a un truc parce que sinon on va se gêner. Il y a une porte à gauche, une porte à droite. Bah, une des deux. Alors,
J'entends du bruit qui vient de... là-bas. Rien là. T'as pris les champis. T'es prêt à reculer? Ouais. T'as rien ici. Champis. Y'a un passage là. Ah, on a un cœur là. Ah bon, vous l'avez bloqué. Oui, mais quand? Un pec. Non, mais mon personnage n'a même pas fait l'animation en fait. Ah. Qu'on oublie rien, des fois je vois pas les portes moi sur le côté. En face, du coup. Ça m'en a tous les uns. Un cœur, c'est bien. C'est un des cœurs, je sais pas si t'en as eu. Le fil. Ça ressemble à ça. On recule ? Ouais. Oh, un cœur de Shirkling. Ouais, je sais plus. Rien à voir avec ta violoniste. Oh bah tu t'es fait. Ah, je pensais que c'est toi qui tapais. Je voyais des coups. C'est toi. Tiens, je te laisse looter si tu veux. Il y a une porte à droite, ouais. Et là... rien du tout. À part des champis. Tu te mets plutôt sur la droite, je vais ouvrir et regarder ce qu'il y a. Un cœur. Un pec. Non, malheureusement. Magnifique. Ouais. Bon, c'est pas fou dingue en termes de... Je suis un peu paumé là. Ma hache est cassée. Oh, on est revenu là. Ok. Il donc il reste en face, ouais. Ah bah, putain l'arnaque. Ouais. Oh, deux cœurs. Deux cœurs. Ouais, un ennemi, deux cœurs. Putain, la fraude, quoi. Alors, j'ai beaucoup plus d'ennemis et un seul cœur. Le ratio est honnête. Le prochain est la princesse. Sophie. Attends, je marque moi quelle fête. Ouais, par là. Ouais, plus rien. Ah oui, en fait, c'est pas du tout là où je voulais qu'on aille. Eh bien, première crypte que je fais sans mourir. GG. On a été planqué derrière lui comme un gros lâche. Si jamais vous revenez au camp et que vous minez pas, vous pourrez nous filer une pioche. Ouais, comme je te file ma pioche. On l'a réparé, ça. Yes, princesse, on est arrivé. Je suis là. Mais attends, mais c'est pas du tout de la forêt noire. Ouais. Ah oui, vous avez pas. Oh. Ah, oh pardon, j'avais pas vu. Il y en a qu'un ? Oh, regarde, et là-bas, il y a l'emplacement du boss. Attends. On a trouvé l'emplacement probablement du prochain boss. Ouais, je l'ai déjà. Ah. On l'a déjà d'ailleurs. Oh. Les deux rabat-joie. D'accord. Oui. Par contre, il y a des trucs à récupérer là. Je prends. Ok. Alors, on va y arriver. On y est. Ah, il y a de l'étain, la princesse. Ah. Juste dehors, mais j'ai plus de place. Bon, éventuellement, je vais virer ça. Arthur. C'est du cuivre. Que t'as trouvé, là ? Ah, je vais le noter, ouais. Ah, ça, c'est bien, ça. Il était, je l'ai ramassé, il était en cassant l'espèce de petit tonneau. Des fois, t'as des trucs. Et là, j'ai eu de l'étain. Ok. On va les crypter. Alors, ce qu'on cherche, c'est ces cailloux-là. D'accord, donc de l'étain. Ça serait bien qu'on ramène 3 autres cœurs minimum, princesse. Ok. Ça sert à rien de taper. J'ai tapé une fois trop vite. Ouais, t'inquiète, ça arrive tout le temps. Ok, c'est ouvert ici. Et on les trouve qu'au bord de l'eau. Et fermé là. Dans la forêt, on commence par où c'est ouvert. Hein. Ok. Ah bah voilà. Attends, je recule. Il vient ou pas? Bah alors. Et tu constateras que le minerai, ça pèse très lourd dans les poches. J'entends un squelette, là. Ça t'a déjà droppé un minerai de cuivre, là, toi ? Attends, je regarde. Ouais, peut-être par là. Ouais, celui-là. Ouais. Ah, attends, on s'est séparés, princesse, j'arrive. T'as vu des trucs, là, où t'es ? Il y avait un cœur. Ok, super. Ah tiens, tu peux me le donner, ça se stack. C'est bon. Par là, il y a déjà... Oh, squelette ! Oh, j'avais pas vu, petit bâtard.
bientôt rempli, moi. Oh, par là, ça pue. Je vous interdis de dire titre. Mmh. De quoi, par là, ça pue? Remboursé. Ta vie, princesse. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est valide, hein. Bélasse. Arthur, niveau poids, t'en es à combien? Il y a un spawner là. Je vois ça où? Ah non. Table. Ah, parce que... oui, il y a un spawner, je pense. Alors, attends une seconde. Parce que moi, table, c'est pas cette table. Voilà. Il y a un spawner par là, faut qu'on le détruise. Ouais. Ah bah non. Ah, il y a une descente. Ah, oh, c'est pas commun ça. Alors. Je peux pas prendre ce qui est dans le coffre. Bah, à droite de la fenêtre là. Je descends et je remonte parce que c'est un peu exigu et on voit pas grand chose. Ah bah y'a que dalle, à part un champi. Alors je suis à 213 sur 300. 213 C'est pas courant ce genre de donjon avec des descentes. Alors là, tiens, tu veux venir là où je suis? Ah, il y avait une porte là, je l'avais pas vue. Alouette. Est-ce que tu veux retourner dans une autre crypte, Arthur? Tu es sûr de mourir là? Champi. J'ai dû fuir à cause d'un squelette 2 étoiles. Eh ben, tu vois, moi je suis morte avec un arbre 2 étoiles. Ah. Aïe aïe aïe. Moi je suis à 293. Alors, je crois qu'on a 221. On a rien oublié sur cette aile là. Non. Donc on peut continuer à nuire. T'es prête? On va faire un ou deux quoi. J'entends un squelette en plus. Il est où? Il est par là? Ah, le voilà. GG. Petit bâtard. Hein. Parce que moi je peux plus de toute façon. Ouais, ouais. Je te vois plus. Je suis juste un tout petit peu plus loin sur le... Ah, il y a un cœur là. Je vais le prendre. Voilà. On en a combien là? Va pas beaucoup plus loin parce qu'il y a un spawner droit devant et tu n'as pas envie d'y aller. Idéalement, faut qu'on en trouve un dernier, ça c'est top. Il nous reste une porte. Ouais, il nous reste une porte. Tiens, 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 prends celui-là plutôt. Oula. Oula, il y a un archer, fais gaffe, recule. On va les faire sortir. Ils sortent ou pas là? Ah voilà. Hop. Le timing des esquives qui passent jamais. Encore deux. Il est sorti. T'as vu, t'as vu. C'est bon, il est mort. C'est GG. On a eu très chaud. Oui. Attends, je vais essayer de voir si. Fais gaffe derrière toi. Attends, je ferme la porte au cas où. Oui, oui. Oh la vache. Je vais poser. Est-ce que je peux poser un feu? Ah, sur quoi t'es tombé? Ben, sur un squelette qui m'a défoncé malgré mon. Comme ça, on va avoir un peu de confort, on va pouvoir se reposer. Nice. N'hésite pas à t'asseoir en tailleur, ouais, comme à la maternelle. Oui. Il y a des brutes, il y a plein de bestioles qui sont ici, donc. Ouais, ben, je vais revenir en courant. Et là, au moment où tu te mets en tailleur, tu te trompes de touche, tu fais marche automatique dans le feu. Merci, au revoir. C'était splendide. Basé sur une histoire vraie. C'est complètement une histoire vraie. YouTube, sur cette belle histoire vraie, à la prochaine. Au revoir YouTube.